avion, pas mal. Téléphone, ordinateur. Oh, je reconnais. Wesh, wesh. Il se passe quoi? Wesh, mon avion. Il se passe quoi? Les meubles, ils volent et tout. Mais what? Comment ça, y a un trou dans mon avion? Y a de l'eau dans l'avion? Faut que je rentre dans le radeau de sauvetage. Ça va exploser derrière moi. Jour 1. Donc on atterrit sur un radeau. Wesh. Oh, la dégaine de con que j'ai. Oh, je suis tout stressé, regardez. Je marche littéralement comme ça. Allez, on rejoint l'île. Oh, en vrai de vrai, elle est masterclass cette île. J'ai envie que ça soit ma maison à plein temps. Fabriquer un outil en pierre depuis le menu de fabrication. Outil en pierre, un petit éclat de roche peut être utilisé comme un outil de découpe rudimentaire en cas d'urgence. Ça nous permet de pourquoi pas avoir comme un couteau. Mais attends, mais il est stressé dans toute sa splendeur lui. Toute sa vie est un stress. La main de Golemon. J'ai déjà le bout de bois, j'ai déjà l'outil de couteau là, je sais pas quoi en pierre. Maintenant il me faut une ficelle. Mais alors la ficelle, on la trouve où? On va aller faire les ruines. Mais j'ai l'impression que j'ai de la chance là. Il y a 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 bateaux. Torche. Oh, oh la masterclass. Oh non, c'est incroyable. Oh, let's go. La ficelle. Première épave qu'on fait. On a de la ficelle. Et attends, quoi? Arrête, on a des jumelles. Attends. Je viens de me faire scam là. J'ai la même vision. Faut pas appeler ça jumelle la team. Hein. On va créer le couteau dès maintenant. Oh, wesh. Ah mais oui, voilà pourquoi bout de ficelle et tout. Non, c'est vraiment une dinguerie ce couteau. Hein. Les gars, technique secrète de fou malade. Les crabes. C'est issu de Bob l'éponge. Tu chantes la musique. Et les crabes, ils vont se dire quoi? Nouvel épisode, faut qu'on y aille. Tu vois, on va les brain. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Au pire, on fait comme un mec qui fait les castings là. Ok, nouvel épisode de Bob l'éponge. Je vais demander à tous les crabes de monter sur l'île. Prise la chip. Ouais. T'as bien fait. Tiens, sale chambre. Let's go. J'ai mon premier crabe. Monter un feu de camp, fabriquer du petit bois. Ok, donc déjà faut que je fabrique un feu de camp. Wouah, regarde ma dégaine quand je cours. On dirait un titan dans les SNK. Fabriquer du petit bois. Comment je fabrique du petit bois hein? Oh là là, regardez-moi ce coucher de soleil là, la golden hour. Est-ce que je suis pas trop beau là sur la golden hour? Ouais, je crois que si. Hein. On va se faire le meilleur feu de camp, vous allez tous être jaloux. Mieux que dans Fortnite les gars. Hein. Ok, donc maintenant comment on l'allume? Wouh. Ça chauffe. Sache-toi. Oh là 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 là. Non, c'est vraiment un vrai feu ça. Maintenant j'ai le feu. Bon, on va le laisser cuire. Je vais aller chercher un peu de noix de coco. Frapper la noix de coco avec un couteau perfectionné. Ok. Il est où mon couteau? Oh, je suis foutu. Non, mais attends, c'est une dinguerie. J'ai perdu mon couteau. Je crois que j'ai une autre ficelle donc ça va le faire. Ah, let's go. Je vais pouvoir m'en refaire un. Heureusement, la chance. Hein. T'as un boulet en tout cas. Les modos, bannez le type qui a du sel. Ok, je l'ai. Donc noix de coco. Elle, on l'a fait tomber. Hop. Tu vas où? Hop les, on prend le couteau et hop. Ouh. Ok. Abattez un palmier. Comment on se fait une hache? On a un très très gros souci. J'avais deux ficelles au début. Je vous énonce comme ça au hasard. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une hache hein? Un bout de bois. Ouais. Ensuite, deux bouts de cailloux. Ouais. Une ficelle. J'ai niqué toutes les ficelles. Au pire, si je fais du morse, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui m'amène des ficelles? Là j'ai dit SOS, c'est moi The Artist. Ah ou alors je dis c'est Squeezie, tout le monde vient. C'est bon, le message il est passé. Comment on monte là-dedans là? Ok, petite porte. Allez s'il te plaît, dites-moi qu'il y a de la ficelle. Oh, Y'a le Rockang. Oh il était là pour me grind lui hein. Tu veux voir mes HP? J'ai deux barres d'HP. Alors loser. Oh le cousin. J'ai perfectionné mes techniques hein. Tu viens t'es foutu hein. Comme ça frère. Vas-y baraude. Je t'assure que je baroude, tu vas voir. Tu vois que je te vois pas là, ta tête de con là. Tu lui dis que j'étais comme Mac Tyson Prime, lui il connaît, c'est un bon, tu vois, il suit. Je vérifie quand même parce qu'il est gentil, mais on fait gaffe. Allez, on va sur l'île. Ça va Gérard depuis tout à l'heure? Allez, le requin il vient pas dans le coin là. Allez, on se prend la petite noix de coco. J'ai fait tomber un truc là. J'ai fait tomber mon couteau? Non, mais les couteaux ils m'aiment pas dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, il y a ma soeur. Ça va frérot? Il est foutu. Un petit coup de couteau, puis il est foutu. Oh! C'est quoi ça? Mais c'est... Qu'est-ce qu'il me veut le raton laveur? On se calme? Tu cut qui? Je suis dans mon bateau, sale chien. Jamais tu me cut dans mon bateau. C'est moi qui te cut maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'attends. Pied ferme. Ah là, tu vois le couteau, t'es timide là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui a peur de qui là? Ah oui, j'ai tué ton petit frère. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, c'est pour ça t'es énervé. Viens là. Mais il te faut combien de coups de couteau toi par contre? Oh, il s'est disloqué. Petite note coco. Perfecto. Heureusement, j'ai ce petit bout de caillou là. Wesh. J'ai une diarrhée. J'ai une diarrhée. Je viens de me taper une diarrhée en direct là. Je me suis chié dessus. Je dois trouver de l'eau. Ah ouais? Mais comment tu la trouves ton eau? J'en ai plein là de l'eau. Attends mais je sais, j'ai un marteau. Je vais aller lui casser la gueule à l'autre. Oh, ça voulait m'attaquer tout à l'heure, vas-y viens. On fait comme les tigres. On se pose tranquille. On fait genre on n'est pas là. Eh, je suis là. Wesh. Il m'a attaqué mais c'est lui, il me tendait le guet-apens en fait.
Frère, il est pas content. Le bar. Attends, je crois le couteau il est dans le coin. Non, c'est pas incroyable ça. Je mérite minimum 1 million de subs pour ça. Bah, je suis foutu les gars. Je suis foutu en eau hein. Bah, à la limite, je vais essayer de me reprendre des noix de coco, mais tu veux que je fasse quoi? Non, non, au moment où je retrouve mon couteau, je meurs. De soif en plus. Je prends la pagaie, je retourne là où j'étais, je fais cuire la viande. Comment tu es à l'aise avec un géant entouré de requins? Ouais, mais les requins, je t'ai dit, je leur fais peur hein. Je leur dis que je vais faire des high kicks. C'est pas vrai. Ils ont peur, frère. Toujours avoir de l'assurance. Pour ça, ils tournent autour, mais ils font rien. C'est des ouf ou quoi? Moi, c'est comme ça que j'ai fait un jour, hein. IRL, comme ça, j'étais sur une île. Tu vois, comme ça, tu sais pas pourquoi, d'ailleurs. Là, il y a des requins qui me courent après. Trop bizarre, ils me courent après. Je leur fais genre, je suis Mac Tyson, les gars. Je leur ai fait, les gars, je suis Mac Tyson, les frères. Ah, ils m'ont laissé tranquille, hein. Ils étaient 22, je crois, sur moi, à me courir après. Qu'est-ce qu'elle me veut, grosse truie? Ah, et bah, ça y est, je savais que j'avais plus d'HP. Elle marcelle pour me dire, et t'as plus d'HP, je sais. Allez, on fait du feu. Déjà, je vais me faire une hache. Comment on fait le petit couteau déjà? Ah bah c'est bon, j'en ai un deuxième, c'est bon. Donc là, c'est bon, je peux me faire la hache. Enfin! Mais attends, mais elle est stressée. Tout ça juste pour ça? J'espère qu'avec cette hache, je mets un coup au requin, ils sont KO. Hein. C'est bon, je peux graille? Parfait. Comment ça? Il est pas cuit? Ah, je dois l'abattre, le palmier. Pourquoi il grandit à chaque fois que je lui mets un coup? Il prend 10 cm à chaque fois que je lui mets un coup. Wow! Non, c'est incroyable. Allez hop, on coupe les feuilles. Est-ce qu'il y a la noix de coco qui va avec? C'est incroyable. Regarde-moi ça. Maintenant, on peut prendre ça. C'est moi qui suis le pire survivant au monde. Ou c'est le jeu qui est vraiment bizarre. Mais j'en fais quoi de ça? Mais laisse-moi tranquille. Abattre un palmier avec une hache et couper les feuilles de palmier. Bah, c'est fait. Ok. Fabriquer un abri pour que vous puissiez dormir, sauvegarder votre progression. Ok, mais alors, comment je me fais l'abri? Il me faut 4 bouts de... Non, mais arrête, il faut encore une ficelle. Il faut des ficelles pour tout dans ce jeu. Oh là là! Pourquoi? Wesh! J'ai plus de main! Attends, mais... What? J'ai fait une crise d'épilepsie sans main. Et bon, bah, vous avez succombé. Vous avez survécu un jour. Ah, ça va un jour, frère. On peut en faire des trucs en un jour. En plus, ouais, c'est des menteurs, hein. On peut vivre 3 jours sans boire. Hein.